Vous êtes nombreux à nous suivre de partout, chez vous, à la maison, au bureau, à la campagne, je ne sais où. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Exceptionnel, un magazine du genre féminin où justement nous discutons des questions liées à la femme dans sa splendeur, la femme dans son côté naturel, hein, la femme telle qu'elle est présentée aux yeux de tous. Alors rapidement, je n'aime pas perdre le temps, rapidement, je vais dans le vif de mon sujet. Aujourd'hui, nous allons supplier. Discuté du même thème la semaine passée. Alors, nous avons reçu beaucoup, 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 beaucoup de commentaires justement liés au sujet pour continuer à parler de ça encore et encore. Nous parlerons aujourd'hui, une fois de plus, de l'entrepreneuriat à l'ère du digital. L'entrepreneuriat, c'est quoi exactement? Mais c'est pas trop dans ce sens-là. Nous allons discuter de l'entrepreneuriat sur le volet marketing. Justement, comment se déploie l'entrepreneuriat de nos jours? De nos jours, tout le monde s'appelle entrepreneur. On voit ça partout, de partout, dans les universités, dans les colloques, dans les conférences. Je suis entrepreneur, nanana. Les jeunes s'habillent, portent des vestes. Tout le monde est entrepreneur à Kinshasa aujourd'hui. Mais spécialement aujourd'hui, je reçois des femmes qui sont entrepreneurs. Ouf, j'ai tellement hâte de vous les présenter. Je les aime toutes. Elles sont parfaites, elles sont belles, elles sont exceptionnelles sur un plateau exceptionnel, dans un décor exceptionnel avec une présentatrice exceptionnelle que je suis, Naomi Mbonsi. Alors, je commence avec la présentation de mes invités exceptionnels. Je commence par Madame Laurette Bira. Madame Laurette Bira, que j'aime énormément, études faites, elle a fait des études de communication, chers collègues. Certificat de la part de l'ONU Femmes et de la Fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi, notre maman, sur la transformation du manioc. Certificat en leadership et entrepreneuriat de chez Robank Academy. Ai-je oublié quelque J'ai chose? l'impression là qu'on Je me connais mes invités, traumatise. hein. Je connais mes invités comme qui dirait un de nos politiciens. Je connais le Congo. Moi, je connais mes invités. Ai-je oublié quelque En tout chose? cas, je pense bien que vous avez presque tout présenté, même si jusqu'à maintenant, il y a encore des brevets qui ne cessent de venir Oh, du félicitations! jour au lendemain. Waouh, j'aime ce genre de femmes qui ne cessent d'apprendre. En tout cas, j'adore. Juste à côté de Madame Laurette Bira, j'ai une dame exceptionnelle également, Madame Thérèse Bakanseka, étudiante en dernière année à l'UCC. Oui, Quelle faculté? exactement. Je fais le droit et Ouf, juriste. le droit économique et social. Ah, intéressant, entrepreneur dans l'artisanat, Oui. avec un start-up nommé Luxi Raffia. C'est Oui. quoi un start-up? Un startup, c'est justement une petite entreprise en fait, surtout pour les débutants. Alors, vous avez généralement observé un problème et auquel vous avez voulu répondre. Ah, Alors, d'accord. vous venez avec une innovation quelconque et vous commencez par la création de votre entreprise qui répond à un problème. Et nous, dans ces domaines-là, Luxirafia, c'est une petite entreprise qui est spécialisée dans la confection de sacs, mais particulièrement des sacs en En tissu raffia. raffia. Waouh. Voilà, en raffia, Exceptionnel. parce que l'objectif, c'est de promouvoir une culture et une richesse. Nous avons observé que le raffia, un tissu de luxe, est aujourd'hui très moins exploité et Oui. même pas intéressant au vu de clients. Parce qu'il y a des gens, il y a des tisseurs de raffia qui font de raffia et qui les vendent parce que ne sont pas venus sur quelque chose qui n'existait pas déjà, mais quelque chose qui existait. Alors nous avons voulu apporter quelque chose de plus en fait. Nous avons observé que le raffia ou encore le modèle de sac que les tisseurs de raffia présentent à la clientèle était moins adapté aux besoins de clients. Et alors nous sommes dit pourquoi ne pas penser à apporter quelque chose de plus? Est-ce qu'il ne faut pas modifier le modèle Sacorafia. ou encore apporter un plus? Alors Waouh. le raffia, quand je me suis intéressée, c'était un sac Non, 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 non. bien Gardez tout mis, ça, en voilà. tout cas. Gardez tout Merci. ça. Je sais comment vous sortir tout ça tantôt. Merci Nous allons beaucoup. nous présenter rapidement une dame plutôt exceptionnelle qui s'appelle Stelle. Stelle Sabine. C'est quoi ce prénom, s'il vous plaît? Ça signifie quoi, Stelle? Ah oui, hein. Je m'appelle Christelle Sabine Ah! Elle s'appelle donc Christelle. Villa. Ouh là là! Sabine Villa, mais c'était pour faire genre. Pour faire genre. Hey! Ah,
J'aime mes invités. Pour faire genre. Stelle, pour faire genre. Donc, normalement, c'est Christelle, mais on vous appelle Stelle. Pour faire genre. Waouh. Licenciée en droit public à l'UCC. En quelle année? Quelle promotion? Ah, c'est récent. OK. Entrepreneur dans le domaine de la beauté. Vous êtes belle en passant. Notamment, merci. Notamment dans la vente des mèches et accessoires. House of Air. Ouais, j'ai une page Instagram. Ah, vous êtes une influenceuse. Non, je vois ici blogueuse. C'est quoi une blogueuse? Voilà, partager du contenu sur les réseaux. Quel contenu, quel genre de contenu? Les photos, les vidéos. Quoi, sur votre vie privée? Apparemment un peu une influenceuse. Non, c'est une influenceuse. Hein. J'ai une influenceuse sur mon plateau, elle fait semblant. Et vous avez une chaîne YouTube. Oui. Vous l'utilisez? Comme on dit, ah, intéressant, on va y revenir. Madame Ozana Kalonji. Étudiante également, elle évolue dans la vente en ligne des vêtements. Oh, ces gens qui nous envoient des diffusions tout le temps. Ai-je oublié quelque chose? Non, moi je suis une vendeuse. Je suis plus dans la vente en ligne et puis je suis aussi une étudiante. Je suis en L1 à l'université de Kinshasa. Mm-hmm. Je suis en gestion des affaires, donc j'entreprends. Moi, je suis plus dans les vêtements où il y a plus la modernité. Donc, ah, vous êtes à jour. Voilà, moi, je suis vraiment à jour, puisque la mode, c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'abord. Mm-hmm. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, quand je vois des gens mal s'habiller, moi, ça me vexe. Waouh, on arrive là. Ça me vexe. J'adore mes invités. Vous êtes conseillère en image. Non. Oui, hein, c'est parce qu'il y a des gens, comme ça. S'il te plaît. Waouh, vous êtes parfaite. Oh, je vous aime, vous êtes parfaite. En tout cas, fidèles téléspectateurs, on avance tout doucement avec ces invités pleins de vie. Je les aime comme ça, ils sont pleins de vie. C'est justement exceptionnel. Vous êtes tous entrepreneurs, vrai ou faux? Vous entreprenez tous dans un domaine quelconque. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous? Je commence par Madame Stelle. L'entrepreneuriat pour vous, c'est quoi? Ça représente quoi pour vous? Vous les faites pourquoi? Par passion, par envie, par passe-temps? Je dirais par passion. OK. D'abord, quand on voit l'entrepreneuriat, jadis, à l'époque de nos grands-parents, ils t'envoyaient des immeubles, des usines de production avec beaucoup d'employés, des DG. Mais maintenant, je pense que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus modernisé. Je dirais qu'une maman qui vend les beignets à la rue, elle est aussi une entrepreneuse. Oui. Dans les niveaux. Maintenant, nous, les micro-entrepreneuses. Ah, vous êtes micro-entrepreneuse? Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'ils n'ont pas, en fait, des grandes sommes d'argent pour. Ah, vous n'avez pas un grand capital? Oui, un grand capital. Et pour cela, nous recourons à l'entrepreneuriat digital. Donc, non. C'est quoi pour vous l'entrepreneuriat? C'est quoi? Tu l'as fait pourquoi? C'est le fait d'investir. Juste donc, investir. Vendre. Par amour d'abord, parce que tu dois aimer ce que tu fais. Mm-hmm. Donc, tu aimes ce que tu fais, tu vends, et pour tes clients doivent être satisfaits et satisfaits. Tu les fais pour des sous, pour avoir plus d'argent. Pour les sous aussi, mais ce n'est pas en fait ça le principal. D'accord, voilà. La même question, je la pose à Madame Ozana. Pourquoi tu entreprends, pourquoi tu fais la vente en ligne? Tout d'abord, moi, je fais la vente en ligne pour des sous, hein, pour des sous, pour avoir des bénéfices. Pour être plus indépendante. Oui, voilà, c'est en fait pour être plus indépendante parce que de nos jours, c'est pas intéressant de tout le temps être là derrière les parents, surtout quand on étudie, quand on est sur le point de finir les études. Surtout que vous êtes étudiante. Voilà, c'est toujours important de se trouver une activité et puis pour s'en sortir. Mais après, c'est aussi quelque chose que j'aime, J'aime la mode, j'aime tout ce qui va avec et ça m'aide aussi à avoir des bénéfices et voilà, c'est pour m'en ça sortir. Ça vous aide également pour vous épanouir, le travail épanouir, c'est un travail. Madame Laurette Bira. Alors, j'ai entendu quand même beaucoup des termes ici que j'aimerais bien spécifier. On parle des start-up. Oui. Actuellement, à Kinshasa, quand on parle des start-up, parfois on parle des jeunes entreprises. On m'a parlé encore des petites et moyennes entreprises de l'autre côté. Oui. Déjà, quand on parle d'une start-up, c'est un mot anglais. Oui. Ça fait juste allusion à une jeune entreprise qui a moins de 3 ans d'existence. C'est juste ça. C'est ça, les start-up. Start-up, moins de 3 ans. Donc, quand tu te retrouves dans plus de 4 ans, sous start-up, on ne peut plus t'appeler start-up. À partir de 4 ans, c'est une entreprise. Tu n'es plus. Exactement. Commencer. Exactement. Donc, tu n'es plus. Hey,
Moi, j'avoue que moi, je ne savais pas ce que c'était un start-up. Start-up. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est dit, tu es qui, je suis start-up. Bon, apparemment, on est dans les mêmes games. Non. Quand tu as déjà plus de 3 ans, tu n'es plus une start-up. On te considère comme une entreprise. Okay. Et puis, il y a certains avantages par rapport à d'autres pays étrangers qui donnent certains avantages aux start-up. Parce qu'on s'est dit, tu es au début, bah, taxe, m'sous, sous moi, fout tes athées, moi, chiffre d'affaires, ozo, bundana. Mais ici, à Kinshasa, les start-up légalement ne sont pas reconnues. Quand vous partez au niveau du guichet unique, on ne reconnaît pas une start-up. J'espère que les autorités concernées nous suivent et vont régulariser ce problème. Donc, quand vous irez dans... En tout cas, moi, c'est la première fois d'entendre ça. Exactement. Quand vous irez au niveau des régularisations, au niveau du guichet unique, on vous dira quel type d'entreprise, des sociétés que vous serez en train de créer. Et j'aimerais bien vous dire, la société start-up n'existe pas. D'accord. Et la spécificité encore qu'on a parlé du PME ici, les PME, en fait, c'est une, quand on parle moins de 10 000 $, si je ne me trompe pas, des chiffres d'affaires. Quand tu as moins de 10 000 $, donc tu es considéré comme start-up. Donc, Merci pour l'éclaircissement. Des entreprises en pleine évolution. Okay. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Et puis, tout cela, c'est parce qu'il faut être aussi régi. Aujourd'hui, on parle des entrepreneurs, mais qui sont artisanales, qui ne sont pas. Waouh! J'ai des invités tellement chaudes aujourd'hui. Déjà. Justement, dites-moi un peu, vous êtes entrepreneur, n'est-ce pas? Exactement. Votre entreprise a combien d'années? Mon entreprise est en train d'évoluer vers sa 4e. Ah, donc vous êtes en phase de sortie de start-up. Exactement. Et qu'est-ce que ces start-up représentent pour vous? Alors, quand on parle des start-up, en fait, c'est les commencements. Qu'est-ce que ça représente pour vous comme entrepreneur? C'est quoi ces business représentent quoi pour vous? Alors, mon business représente, premièrement, d'abord, je me suis retrouvée dans ça parce que je voulais répondre à un besoin. Ok. Mais aussi, c'est parce que je voulais aider une communauté. Donc, vous entreprenez parce que vous avez voulu répondre à un besoin. Quel besoin exactement? Premièrement, le besoin lié au manger, la faim. Donc, tout ce qui est lié à la nourriture. À l'alimentation. Parce que, l'alimentation, l'agroalimentaire, l'agro-industrie, mais aussi la transformation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes allés dans un autre level. On est en train maintenant d'entrer vers l'industrialisation. Okay. Des chikwang, l'industrialisation de certains produits agroalimentaires que nous avons déjà ici à Kinshasa. Oui. Donc, ça signifie que non, autrefois, on était start-up. Aujourd'hui, on est en train maintenant d'immigrer pour devenir une grande entreprise. Vous l'avez fait parce que vous avez voulu répondre à un besoin quelconque, également par passion? Exactement. En fait, la passion, j'aime bien dire, c'est ce qui nous garde parfois à rester sur terre, parce qu'on s'est dit, exactement, être déterminé, d'avoir un focus, d'avoir la rage XXL, de pouvoir braver parfois les défis parce qu'on tient à des résultats. D'accord. Donc la passion aussi a beaucoup agi par rapport aux décisions. Ok, vous êtes entrepreneur, Madame Thérèse, qu'est-ce que cela représente pour vous? Je tiens d'abord à apprécier l'éclaircissement qu'on a eu de la start-up. Je suis heureuse de me retrouver vraiment dans cette catégorie-là parce que moi, je n'ai pas encore plus de 4 ans. Alors, c'est avec raison que j'ai voulu me présenter. Très bien, merci. Voilà, start-up. Alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Pour moi, entreprendre, c'est exercer une activité dans un secteur précis pour répondre à un besoin ou résoudre un problème précis. Justement. C'est justement... C'est pour ça que, par exemple, dans notre cas, nous avons observé un problème socio-économique auquel nous avons voulu répondre. Oui. Tel que j'étais en train de le dire tout de suite, nous avons remarqué, par exemple, que le raffia était un tissu de luxe, mais qui est devenu presque un tissu qui n'attire pas notre population. Alors, nous sommes dit, si ces gens exercent cette activité pour avoir des revenus et que malgré cela, il n'y a pas de clients qui s'intéressent, c'est qu'il y a un problème. Comment résoudre ces problèmes? Alors, il faut peut-être apporter de nouveaux modèles de sacs en raffia ou encore ajouter une valeur de plus. Wow. C'est ainsi que nous avons pensé, par exemple, à faire ajouter un peu plus de pagne pour que ça fasse un peu plus africain au raffia et puis créer de nouveaux modèles. Calmez-vous sur votre raffia, s'il vous plaît. Oui. Nous allons y arriver. D'accord. Je voulais en fait savoir comment est-ce que vous appréhendez le mot entrepreneuriat. Et merci pour l'éclaircissement. Mm-hmm. Chacun parlait de l'entrepreneuriat comme il l'entendait. Oui. Pour certains, c'est une passion. Pour certains, ils les font pour des sous, pour l'argent, pour subvenir à leurs besoins. Mm-hmm. Pour certains, c'est pour leur épanouissement personnel. Mm-hmm. En tout cas, j'espère que, fidèles téléspectateurs, vous avez trouvé du contenu, vous avez aimé, hein, et que vous êtes inspirés de ces femmes, justement, exceptionnelles ce soir. Dites-moi un peu, comment faites-vous de la promotion de votre business? Justement, par les réseaux sociaux. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour votre business, madame? Comment vous faites? Vous sponsorisez? Oui. Sans les sponsors, c'est pas évident. Sans les sponsoring. Ça part aussi des influenceurs, hein, des partenariats et tout. Mm-hmm. Je vais demander à une amie influenceuse. Mm-hmm. C'est pour la vente de vos mèches? Oui, des mèches.
À part les mèches, vous vendez quoi? Quoi d'autre? Des soirs, Ah, ça se voit sur vous, en tout cas. Vous maquillez également. Donc, tout ce qui est beauté, vous recourez aux réseaux sociaux, sur Instagram en l'occurrence. Oui. Pas Facebook? Facebook aussi. Ouais, Facebook. Juste Instagram? Pas d'autres réseaux? Pas WhatsApp? Pas Snapchat? WhatsApp, bien sûr, parce que WhatsApp, c'est le premier réseau social. Donc, oui. La famille, les amis. D'abord par WhatsApp et ensuite les autres. Et Madame Ozana? Oui, moi aussi, moi j'utilise les réseaux sociaux à tout moment. Déjà, moi, pour je suis plus. Oui, ça fonctionne vraiment depuis le début, depuis que j'ai commencé à vendre. Quel réseau? WhatsApp, Instagram, mais Facebook. Mais pour vous qui faites de la vente en ligne, c'est quoi le réseau idéal pour justement la vente en ligne? WhatsApp. WhatsApp. C'est vraiment WhatsApp parce que sur WhatsApp, on retrouve tout le monde. Ah, vous sur avez WhatsApp. Donc vos contacts? Oui. Et aujourd'hui, on remarque beaucoup, parce que beaucoup de gens sont focus sur WhatsApp, même qu'il y a des gens, ils préfèrent plus. Finalement, ça reste l'un des réseaux les plus utilisés. Hein. Moi, je dirais Facebook. Parce que WhatsApp, c'est beaucoup plus la famille et les amis. Non, je ne pense pas. Même les clients. Moi, j'ai déjà remarqué, j'ai déjà fait ce constat. Lorsque je vais sur Instagram et que je parle à quelqu'un d'un produit qu'il a vu peut-être sur mon compte Insta, il va carrément me dire, passe-moi ton WhatsApp. Déjà, moi, j'ai un WhatsApp business. Mais d'abord, il est sur Instagram. Après, oui, il est sur Instagram. Mais très souvent, on retrouve la plupart des gens sur WhatsApp. WhatsApp, c'est plus accessible, apparemment. Oui, c'est plus accessible, en fait. Ok, donc vous utilisez WhatsApp pour WhatsApp, votre business. Facebook. Facebook aussi, c'est là où on peut retrouver. En fait, Facebook, tu peux retrouver tout le monde. C'est un réseau social qui, justement, réunit tout type de personnes. Mais WhatsApp, c'est personnel. C'est personnel, c'est ça. Vous donnez votre numéro, votre contact, vous pouvez bloquer si vous voulez. Oui, vous pouvez bloquer, mais sauf que... Parce que ça, c'est selon mon expérience à moi. Moi, depuis que j'ai commencé la vente, je remarque que j'ai plus des clients sur WhatsApp que sur d'autres réseaux. C'est vrai que je poste mes articles partout, mais je remarque que les gens réagissent sur WhatsApp. Mais sur Instagram, ils sont un peu plus... C'est vrai, ils vont réagir, mais après, ils ne sont pas très ouverts. D'accord. C'est comme s'ils étaient hésitants. Ah. Mais sur WhatsApp, ils sont directs. Les clients sont plus en confiance. Voilà, et ils te disent carrément ce qu'ils veulent, à quelle heure, et puis ils te donnent directement l'adresse. Ok. Madame Thérèse, vous utilisez les réseaux pour votre business des raffias, des sacs en raffias. Exactement, des raffias, comme je viens le préciser. Les réseaux sociaux sont utiles pour vous? Incontournables à la vie quotidienne. Les réseaux sociaux se sont imposés vraiment dans ce qui est marketing et tout ce qui est promotion de votre business. Alors aujourd'hui, tout le monde, pour la promotion de ce qu'il fait, va sur les réseaux sociaux. Moi personnellement, j'utilise Instagram et aussi WhatsApp. Et comme elle a dit, je suis d'ailleurs d'accord avec elle et aussi d'accord avec Stella parce que quand vous allez poster par exemple quelque chose sur Instagram et que les clients sont intéressés, ils voudront justement vous contacter. Je ne donne pas directement raison à Ozana qui dit que c'est beaucoup plus facile sur WhatsApp parce que vous avez d'abord besoin. C'est parce que vous allez d'abord sur les autres réseaux que les gens vous contactent directement pour pouvoir vous parler à travers WhatsApp. Et pour avoir votre WhatsApp, il faut déjà avoir partagé votre numéro. Oui. Mais sur WhatsApp, je lui donne raison quand elle dit que c'est plus facile. Pourquoi? Parce que là, tout le monde est là, même si je suis sur Instagram, mais je suis vraiment sur mon WhatsApp pour recevoir le message en même temps et tout ce qu'il y a comme demande. Okay. C'est un peu ça. D'accord. Et Madame Laurette? Alors moi, dans mon cas, déjà que je suis dans la vente des produits agroalimentaires, j'ai presque le même principe que eux. Alors, pour attirer les clients, il y a ce qu'on appelle les plateformes réseaux sociaux qui attirent déjà les clients, où on vend l'image. Justement. Donc, Facebook, c'est cette plateforme réseaux sociaux qui nous permet de vendre une image des marques de mon produit. Mais ce n'est pas là-bas que je conclue mes marchés. Mes marchés sont conclus via WhatsApp. Ah, donc, il est attiré. Ah, bon, Exactement, je peux utiliser Messenger aussi. Avec Messenger, je peux conclure aussi un marché. Mais avec WhatsApp, les clients se sentent plus proches de moi. Il peut se dire, il se sent beaucoup plus proche de moi facilement. Il peut me dire, non, madame, je veux 3 grammes, je veux 4 grammes. Donc, par rapport à ces détails-là. WhatsApp est plus accessible, en fait, nous sommes tous d'accord. Oui. En fait, WhatsApp intervient simplement dans cet aspect de la vente, parce que tous les aspects de la vente doivent être incorporés. Celui d'attirer les clients, de faire ressentir le besoin auprès du client, mais aussi de conclure le marché. Mais dites-moi, pardon, Instagram est plus renommé pour justement ça, la beauté. Les vêtements. De nos jours, on peut,
on fait des achats en ligne sur, plus sur Instagram. On dit que Facebook, d'ailleurs, les vendeurs ne sont pas trop fiables là-bas. Mais c'est plus sur Instagram. Vous dites le contraire. C'est ça, en fait. Sur Instagram, tu postes de très belles photos pour justement attirer des clients. Ça attire et ensuite, seulement. Pour conclure, en fait, la vente, là, c'est sur WhatsApp. OK. Merci pour cet éclaircissement, en tout cas. Merci. Je vous aime. Je ne cesse de la répéter. Je vous aime beaucoup. Mais dites-moi, est-ce que l'usage des réseaux sociaux dans le domaine de l'entrepreneuriat est approprié à une certaine catégorie de business? Est-ce que la maman de Maka là, a besoin d'utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que un vendeur de, comme qui dirais-je, des batteries de téléphone aura-t-il besoin forcément des réseaux sociaux? Non. Madame. Bah oui, mais non aussi. Oui, en fait, mais non. Ça dépend. Est-ce que tout type de business peut être vulgarisé via les réseaux sociaux? Moi, je dirais que tout dépend de ta stratégie, en fait. Okay. Tout dépend de la stratégie. De ton public cible. Oui, voilà. Et de ce que tu proposes. Allons-y, Madame Mozana. Tout dépend de ta stratégie. Parce que moi, je me dis que rien n'est impossible. Parce que quand tu as de la volonté, tu peux toujours avancer dans ce que tu entreprends. Mmh. Comme par exemple, la dame qui vend les beignets, celle qui vend les beignets, elle est genre dans un coin et tout ça là. Si elle veut que ça soit quelque chose de grandiose, je ne pense pas que ça serait impossible pour elle de commencer à faire des photos. Mmh. Et puis elle publie ça sur son WhatsApp. Elle dit, et puis c'est possible de qu'elle dise, voilà, je vends des beignets, c'est peut-être à 500 francs. Je fais aussi des livraisons. Mais il faut justement voir le public cible. Hein. La maman des beignets qui vend des beignets aux élèves, par exemple, aux élèves d'une école primaire. Eh bien, des écoles primaires n'ont pas des téléphones portables. Hein. Bon, c'est aussi une possibilité, mais il n'y a pas que les élèves. Il y a aussi d'autres personnes. Il y a des adultes. C'est comme ça que je reviens à Mme Stel qui parlait justement du public cible. Ouais, du public je cible. Réponds la question, s'il vous plaît. Est-ce que tout type de business peut être vulgarisé via les réseaux sociaux? Bon, j'y reprends. Oui. Je disais, ça dépend en fait du public cible. Tu vends les biens, par exemple, à 100 francs. Tu n'auras pas besoin de mettre ça sur Instagram ou sur Facebook. Parce que les beignets. Il y a aussi les beignets qui ne sont pas beignets. Hein. Voilà. Tu cibles, par exemple, les élèves de la maternelle. Ah ouais. Voilà. Mais si tu cibles, par exemple, des PDG, tu fais genre à tes beignets, en fait. Oui. Dans les beignets des 1000 francs, des 5 dollars. Là, maintenant, tu pourras peut-être. Mais sur Instagram. Oui. Bon, j'ai une question. On est dans la pâtisserie où on parle non, que des beignets. Non, on parle en général. Hein. Mais la pâtisserie, c'était un exemple que j'ai donné. Okay. Oui. J'ai également donné l'exemple d'un vendeur de batteries, par exemple. Ouais. Est-ce qu'un vendeur de batteries de téléphone a forcément besoin des réseaux sociaux pour se vulgariser? Ça dépend aussi. Ça dépend. Moi, j'ai un exemple concret. D'abord, je réponds à la question pour dire que tout business n'a pas nécessairement besoin de réseaux sociaux pour se vulgariser. Parce que je connais un ami qui est aussi entrepreneur, qui n'est même pas sur les réseaux sociaux, son business non plus, et qui est en fait dans l'élevage de porc. Okay. Et lui a déjà, c'est pour ça que je vous donne à toute raison quand vous dites, ça dépend de la cible en fait. Mmh. Lui a déjà ciblé sa clientèle. Oui. Il sait que c'est vraiment les personnes qui sont de mon entourage. Mmh. Et si je vais chez ma voisine ici, je sais qu'elle est déjà ma cliente et c'est plus facile. Donc, il n'a pas besoin de réseaux sociaux pour ça. Donc, je pense que tout business n'a pas nécessairement besoin de réseaux. Madame Bira. Alors, j'aimerais bien spécifier quelque chose peut-être de plus encore par rapport à ce que les autres ont dit. C'est qu'il faut différencier ce qu'on appelle un commerçant et un entrepreneur. Oui. Un entrepreneur, c'est un visionnaire. Il sait là où il est en train d'amener son entreprise. Il a une vision claire, même si aujourd'hui tout le monde a été kamikaté. On a lobby boulangerie. Voilà. Le on a été kakon, mais lobby dans mon industrie. Dans mon plateau de bateke, mon bimba, comme on a. Wow, ok. Donc, ça signifie qu'il y a un level de défi que je me suis fixé, que je dois atteindre. Exactement. Différent d'un commerçant, il y a un plateau du jour. Bon, le on a été kamikaté, mais quoi, qu'il en soit un commerçant, c'est un entrepreneur, non, madame? Un commerçant peut devenir un entrepreneur si simplement s'il change des games. Tout dépend sa de sa vision. Vision, en fait. D'accord. Il change des visions. Il s'y légalise. Maman, il y a Mikate, on a, ça fait 20 ans. T'es carré, Mikate, bonsoir, quoi, Vina Bissot. À légaliser, elle est augmentée. OK. Donc, la question déjà sur ces points-là, pour aller signer avec les grandes entreprises, on te dira que madame, on ne peut pas signer avec un individu, on doit signer avec une entreprise. Il faut, si tu veux livrer tes Mikate dans une entreprise, ce n'est pas madame qui gagne, je vends. Non. Il faut des documents légaux. Donc, il y a cet aspect de choses aussi qui compte, c'est que les business en soi comme ça, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on s'y voit la face, les réseaux sociaux sont en train de vendre. Ah oui. Et si tu n'es pas, on l'a dit d'ailleurs, c'est un homme, un grand quand même,
philosophe qui est en train de le dire ces derniers temps ici. Si tu n'es pas sur l'un de mes professeurs de l'université, si, en fait, c'est quelqu'un qui nous enseigne vraiment beaucoup le cours du réseau social, si tu n'es pas sur les réseaux, ton entreprise n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué sur les marchés. Très compliqué. C'est pourquoi, remarquez-les, les grandes boîtes, parfois, elles ne vendent pas beaucoup, mais ils sont là sur les games. C'est aujourd'hui un nouveau marché qui s'annonce. Mais ça représente quoi? Puisque ça doit forcément être... Donc, quand tu entreprends, tu dois forcément être sur les réseaux sociaux. En fait, il y a maintenant des objectifs qui sont là. Il y a certaines marques, ils sont là juste pour vendre leur marque. C'est fini. Ils n'ont pas besoin de clients. Donc, leurs clients ciblent, leur cible n'est pas nécessairement les clients qui sont sur les réseaux sociaux. Non, non. C'est juste parce que quand tu cliques, que tu te dis, OK, c'est bon, j'ai besoin de voir ta page. Juste ça. À titre d'information. D'accord. Exactement. Okay. Aujourd'hui, il y a de, on parle aujourd'hui des sites, des présentations. Dans ces sites-là, parfois, il n'y a pas tout ce qui est lié à la vente. Non, ça te permet simplement d'avoir tous les détails. En fait, d'avoir la crédibilité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent certaines crédibilités. Ça donne du poids. Exactement. Hein? Moi, valeur, moi, embrouille. Moi, sur moi, embrouille. Exactement. Ah non, ils sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a des gens qui gagnent de marché juste parce que, OK, je l'ai cherché sur les réseaux sociaux, je l'ai trouvé. Ah. Donc il n'y a rien de... Sauf que c'est pas tout le monde, parce qu'il y a aussi des gens, exactement. Comme par exemple, moi je connais une amie, elle est dans la vente des chèvres. Elle vend des chèvres. Alors je ne pense pas que il faut vraiment qu'elle soit sur les réseaux pour s'imposer. Parce qu'elle m'a dit, moi, elle m'a dit qu'elle se retrouve sans même poster ce qu'elle fait. C'est voilà. Pourquoi j'ai dit, là c'est d'abord, le game est déjà bon, mais si pour aller dans un game plus élevé en termes d'entreprise, madame, j'aimerais bien vous dire à votre copine là, moi je pense que déjà avant tout, il faut étudier le marché, parce que apparemment elle est là à étudier le marché et elle est allée avec ses chefs. Elle a ciblé des gens. Elle a vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. Alors, elle s'est dit que voilà, moi, je vais commencer mon commerce. Et elle se retrouve. Oui, c'est une proposition, exactement. Mais si il faut aller plus loin. Je donne par exemple l'exemple. Tu es ici à Kinshasa, tu voudrais bien donc vendre aussi, par exemple, les chèvres en termes des particularités. Parce que chaque province a ses chèvres qui sont différentes des autres. Ouais. D'accord. Okay. Tu veux vendre... Parce que les games doivent aller plus loin. Tu veux vendre des chèvres, mais au matisse, c'est qu'au niveau. Au lingon, t'es qu'à chèvre de chaque province différent. Et puis présenter ça comme ça. Par exemple, dire que chèvre, c'est à Mandaka, à Koutaraotan. Ou c'est à Kassé, à Koutaraotan. Si il faut faire. Non, non, en fait, les réseaux sociaux interviennent à quel niveau par rapport à ton entreprise? Oui. Ça te permet de te challenger face à d'autres entreprises. Madame, en fait, dans le marché de l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Oui, mais plusieurs entrepreneurs qui ne sont pas d'accord avec cette vision. Ce n'est pas nécessaire. Oui, c'est pas exactement. Exactement. Ah non, pour madame Lorette, c'est nécessaire. Allez-y, poursuivez. Alors, pour d'autres personnes, ils se disent que ce n'est pas nécessaire, mais j'aimerais bien spécifier pour avec les games des entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est nécessaire. Pour mon game, comme je l'ai dit, c'est nécessaire. Okay. Pour challenger, demander les grandes industries, il faut des collaborations. Ce n'est plus moi seul qui dois travailler. Non, je dois travailler pour industrialiser les plateaux de Bateke. Ce n'est pas moi seul que je les ferai. Je ne peux pas garder le projet pour moi seul. Chacun son game, hein. S'il vous plaît, peut-être que vous avez l'intention de demander un financement auprès du FPI. Et si le FPI veut vous prendre au sérieux pour vous voir un peu ce que vous faites, donc vous devriez avoir les réseaux sociaux. C'est ce que vous me dites. En fait, déjà, si par exemple, je donne par exemple cet exemple-là. Oui. Alors, actuellement, il y a beaucoup de sélections de projets, de financements qui s'est passé à Kinshasa. Oui, par exemple, dans le domaine de FP. Exactement. On est parfois dans les circuits, on connaît comment les choses se passent. Oui. Parmi les critères de choix, regardez tous ceux-là qui ont déjà rempli, qui sont d'accord avec moi ici à Kinshasa, les entrepreneurs, qui ont déjà rempli les formulaires. Madame, on vous demande ton compte LinkedIn, ton compte Facebook, ton compte Sanaté, ton compte La Vérité. Sauf quand tu as déjà la game, ça fait plus de 3 ans que tu es sur l'entrepreneur, tu vas comprendre ici que c'est comme ça. On te pose, madame, quels sont les liens YouTube où on t'a publié? Dis-moi si ces gens-là, si ça n'avait pas de l'impact, pourquoi tu voulais nous demander ça? Je pense que ça peut faire partie des éléments nécessaires, oui. Mais pas vraiment de critères pour pouvoir financer un projet. Non, ça dépend d'une catégorie, en fait, de business. Là, on parle de la transformation. Peut-être si cela doit dépendre d'une catégorie d'activité ou encore de projet, je pense peut-être dans ces sens-là. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit que les réseaux sociaux ou tout ce que vous avez comme compte soit fasse partie des critères pour pouvoir financer votre projet ou encore trouver que c'est un projet intéressant. Non, je ne pense pas. Pas le contraire. Hein. Pas du tout. Ouais. Moi, j'ai dit le contraire parce que je l'ai vu. Et puis, je suis en train de le voir jusqu'à maintenant. Que ça compte, en fait, ça compte. Oui, exactement, ça compte à quel niveau? Parce que
les bailleurs de fonds vont être certains que ce que vous êtes en train de dire est vrai. Comprenez-moi dans cet aspect-là. Ce n'est pas que non, nécessairement, il faut tout publier, tout ce que vous faites et tout ça sur votre entreprise. Non, je parle des éléments qui crédibilisent votre entreprise. Des éléments qui permettent à quelqu'un de se dire, bon, je donne mon argent, mais pourquoi? Vous comprenez un peu exactement qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Ah, c'est pour les bailleurs de fonds et pour alors les clients, pour la clientèle. Pour les clients, ça aide, donc, hormis l'aspect bouche à bout, des bouches à l'oreille, mais ça l'aide par rapport à avoir une crédibilité par rapport à ton produit. Bon, je donne l'exemple. Tu vends, par exemple, moi, je vends les chikwangs. Oui. Qu'est-ce qui rassure au client de se dire que, bon, pour un instant, il y a venu un athée qui a consommé un chikwang de chez nous? C'est parce qu'un jour, il a vu des photos de personnes où on faisait des livraisons. Par exemple, il a vu juste une photo de... Ah, bon, je connais cette dame ici. Moi, je me souviens, j'ai eu un client comme ça. Ah, oh, Laurette, j'ai vu cette dame ici. Vous avez livré les chikwangs, je la connais bien. Donc, moi aussi, je vais acheter parce que j'ai vu la photo que vous avez postée de cette dame-là. Ça attire, en fait. Exactement. Donc, il y a cet aspect aussi aujourd'hui que le numérique est en train de prendre dans notre secteur entrepreneurial. Peut-être vulgarisé via les réseaux sociaux. C'est donc ça. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques années, je pouvais dire non. Mais aujourd'hui, avec l'amélioration de la technologie, tout type de business sont les bienvenus en tout par cas. Par contre, Rosanna n'a pas les partagé bienvenus. Le même avis. Bon, moi, j'ai partagé le même avis parce que moi, je suis déjà dans ce game. Oui, toi, oui, mais pas tout type de oui, business. Mais sauf que comme c'est pas... Comme ta copine qui vend de la chèvre. Voilà, justement. Elle, non. Elle, non. Elle n'a pas eu besoin des réseaux sociaux pour vulgariser son business. Et puis, j'allais rajouter quelque chose sur ce qu'elle a dit. L'entrepreneuriat, c'est comme avoir une vision, en fait, de là où tu veux aller et tout. Et surtout que c'est quelque chose qui t'aide à avoir des bénéfices, c'est vrai. Mais sauf qu'il y a d'autres gens, en fait, lorsqu'ils commencent quelque chose, eux, c'est je vends et puis je ne sais pas où je vais aller. Mm-hmm. Mais quand même, je vends et je suis heureux, oui. En fait. C'est pourquoi j'ai comme un tout petit peu contredit la oui. dame et tout. Je l'ai contredit parce qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent malgré qu'ils ne sont pas sur les réseaux mm-hmm. sociaux. Et ils se disent que, bon, moi, certainement, je n'irai pas loin. Mais après, ce que j'ai, moi, 20$, moi, 10$, Nazanango, ça me va. Madame Laurette, Madame Thérèse. Oui, je partage l'avis d'Ozana. Tout type de business n'a pas nécessairement besoin de réseaux donc, sociaux pour être vulgarisé. C'est catégorique, ça. Voilà. Oui, je suis d'accord avec tout ce que Madame Laurette a évoqué comme raison. Oui. Et moi, je dis, je suis d'accord dans ces sens-là si ça dépend d'un business quelconque. Donc, je ne peux pas dire que pour chaque business, il faut nécessairement le réseau social. Pas forcément, hein. Également pour vous, Madame Stella. Moi, je pense que c'est la vision de ton entreprise. Okay. Si tu veux que dans l'avenir, que tu fasses des partenariats, à avoir des financements, par exemple, là, tu es obligé d'être sur Instagram. D'accord. Mais si tu es content avec tes proches, tu vends bien, pas de problème, tu continues comme tu fais. Dites-moi, s'il vous plaît, mesdames, en se référant sur votre propre business, ok, votre propre expérience personnelle, les réseaux sociaux ont-ils déjà eu des effets néfastes, des désavantages? Oui, oui. C'est toujours avantageux. Je la pose à madame qui fait de la vente en ligne. Bon, moi, je dirais que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des désavantages. Comme sur quoi? Sur quel point exactement? Comme par exemple, moi, je passe par des fournisseurs. Ok. Je passe par des fournisseurs et parfois, on m'envoie comme des photos. Bon, je ne sais oui, pas si vous connaissez. C'est vous qui connaissez. Faites là, passez vos commandes. Voilà. Uniquement sur commandes. Oui, on vous connaît sur voilà, WhatsApp. Voilà, justement. Et parfois même, j'utilise d'autres sites qu'il n'y a pas ici à Kinshasa. Et mon fournisseur, bon, les sites me disent, par exemple, si je vois les photos, oui, voilà, il y a des photos et tout ça là. Moi, je vais regarder et puis je vais reposter. Moi, je me dis que quand ça viendra à Kinshasa, ça sera pareil et tout. Et quand ça arrive à Kinshasa, c'est comme parfois c'est comme si c'était autre chose, mais le fournisseur me dit que non, c'est ce que vous avez commandé. Okay. Et parfois il y a comme des désavantages parce que quand vous regardez les photos, parce que là j'ai comme une expérience, je sais voir quand je vois une photo, je regarde que voilà, cette robe, il y a des petits détails genre qu'il faut bien regarder avant de prendre la robe, et surtout que avec les sites, il faut regarder les commentaires. Avec le site, il faut regarder les commentaires avant de commander oui. quelque chose. Parce que si on ne commande, si vous ne faites pas attention aux commentaires, ça sera comme quelque chose de... En fait, les clients pourront se plaindre, en fait. Ils diront... Parce que, comme par exemple à Kinshasa... C'est du côté fournisseur. Donc, oui, ça, c'est du côté fournisseur. Ne peut pas vous fournir la commande demandée. Mais il peut faillir avec voilà, la qualité. Voilà, justement, c'est ça. Et du côté client, alors, est-ce que le client... Du côté du client... Y a-t-il des avantages côté client? Du côté de la clientèle?
déjà, le client, il est, comment je peux dire, il est stressant, genre, il... Non, mais c'est vrai, le client, quand il voit... Waouh, écoutez une vendeuse de la vente en ligne. Le client, quand il voit une photo, il te dit, moi, je veux l'article comme sur la photo. Mais sauf que, parfois, on oublie beaucoup de choses, comme quoi, le mannequin n'a pas la même taille que toi, et puis le mannequin n'a pas la même morphologie que toi, donc, il y a vraiment plusieurs... Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a vraiment plusieurs, comme je dirais, bon, pour moi c'est un avantage parce que moi je vends le produit qu'il y a sur la photo. La morphologie, ça c'est pas mon problème. Si ça te convient, si... Non mais c'est vrai. Si ça ne te convient pas bien, ça ce n'est pas de ma faute. Parce qu'il y a des clients comme ça, ils peuvent être là, ils disent, moi je veux la taille M. Je prends la taille M. Le fournisseur me dit, il y a la taille M. Et quand la taille M vient ici à Kinshasa, le client qui me dit non, c'est pas pareil, c'est pas ce que je voulais. Les désavantages de la vente des réseaux sociaux sur la vente. Voilà, des téléspectateurs, vous suivez. Voilà, c'est en fait ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai comme de l'expérience et je sais voir ce qui est. Parce que, comme par exemple, quand je vois toutes ces dames, je sais voir, c'est la taille de... Elle peut mettre peut-être du L, elle peut mettre du S. Comment je sais voir, je sais aussi gérer les clients parce que je sais aussi voir, lorsqu'un client est trop exigeant, je sais comment parler avec lui parce qu'il y a des clients comme ça, il peut bien vouloir acheter un produit, mais sauf qu'il a besoin de plus d'arguments. Et puis, il faut être sûr de ce que tu vends. Et tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut être sûr de ce que tu vends. Même si c'est vrai que la qualité n'est pas trop ça, il faut quand même faire un effort de convaincre le client afin qu'il puisse prendre l'article qu'il veut. Ok, et pour madame qui vend des mèches, des articles beauté, est-ce que les hommes ont déjà fait du sale, comme on dit à qui tient ça? Moi, je dirais surtout pour le service de livraison à domicile. Tu peux être là, on te contacte, on commande. Par exemple, venez le samedi à 14h. On te dit, par exemple, viens par exemple à Lemba. Quand tu seras à Lemba, tu m'appelles, je vais sortir. le livreur part à Lemba. Tu l'appelles la dame, son téléphone ne passe pas. Ouh là là, les désavantages des réseaux d'entreprendre sur les réseaux sociaux. À part ça. Bon, vous maquillez ça, également, en maquillant. Oui, j'ai maquillé aussi. Mais quand vous maquillez, il n'y a pas des avantages là-dessus? Par exemple, quelqu'un a vu une photo et tout, elle veut recopier les mêmes maquillages, tout en ça. En tout cas, avec les maquillages, ça va, à part les mamans qui n'aiment pas trop. Genre, Yaya, ça m'a l'air, mais écoutez, mais il était, tu vois. Mais regarde, allô, là, il y a une photo, la photo, quand tu vois le maquillage, Yaya, il est bien, ça m'a l'air, mais bon, à part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Et pour Laurette? Alors, moi... Est-ce que vous avez apporté des problèmes? Vraiment, l'un des problèmes que j'ai eu à avoir... Ça date quand même de quelques mois, je pense bien. Une cliente qui a... C'est récent. La cliente a bien choisi le nombre des chikwang et puis la date des livraisons et tout ça. Toi, tu es calé. Et excusez-moi, comment il paye? Comment la cliente avait payé? La vente, on paye 70%, avec 70% d'avance et puis les 30 les jours J. Okay. Moi, 70%. C'est 50%. Ah, c'est 70. Moi, c'est 70. C'est parce que... Quand vous faites augmenter votre marque en termes de quoi, de produits, des renoms et tout ça, vous devenez aussi exigeant parce que vous cherchez aussi l'excellence auprès de clients. On écoute l'histoire. Alors, la dame, tout a été calé, non, la fête et tout ça. D'accord, madame, c'était un dimanche. Je lui dis, madame, souvent les dimanches, c'est très compliqué qu'on puisse livrer dimanche, mais on les fera que pour vous. Ok, pas de problème. Tout a été conclu, elle a fait aussi son virement d'argent. Et pour elle... Je ne sais pas ce qui couleur ou à mon qui a quoi n'a qui le rôle a créé. Je ne sais. En tout cas, madame, il fallait convaincre. En tout cas, il fallait convaincre. Et on a eu tout le compromis. Le jour de la livraison est arrivé, elle est venue, elle m'a dit non, je viens moi-même récupérer. Elle récupère, on a vérifié tous les chikwang parce que avec nous c'est comme ça. On a ouvert tout pour qu'elle soit sûre qu'elle a pris la bonne qualité. Elle part avec. La dame nous rappelle pour dire que non, on a refusé cette qualité. C'est sérieuse. Et qu'il fallait rembourser son argent et tout ce qui va avec. J'ai dit, ok, c'est bon, moi-même j'arrive. J'ai pris mon transport, je suis venue. Ce jour-là, j'ai appris comment on se défend bien avec son produit. Et j'ai appris ce qu'on appelle avec l'expérience, savoir ce qu'on fait. Voilà, et pourquoi on est en train de le faire. Ouais. Madame, j'ai compris dans le parcours entrepreneur qu'il y a des gens qui savent négliger ce que vous faites comme travail. Voilà, qui vous sous-estiment sur donc, Azio, le roi, maman Gambela, pour dire ça un peu... Et il veut, en fait, vous montrer qu'elle a les niveaux. Et je lui dis, madame, je suis étudiante.
C'est exceptionnel en tout cas. Je me bats. Vous ne savez pas combien de temps on passe pour vérifier en termes de qualité. Et on les fabrique très loin du centre-ville. On est venu avec ici. Et les frais de livraison, je ne refuse pas à tous les allers. Les chiquangs pèsent, hein, madame. Pour tous ces détails-là. Et vous, on vous apporte cela. On a vérifié avec vous. Tout a été calculé. Et vous me dites qu'on doit rembourser. Et l'avantage que vous avez, c'est que celui qui était là, qui gérait l'événement, il a voulu échanger avec moi. Et quand je lui ai expliqué tout ça, il m'a dit, et c'était sa première fois parce qu'il entendait souvent parler de moi, il m'a dit, ah, c'est intéressant, c'est vous. Et je lui ai montré quand même, monsieur, regardez, on n'a même pas encore industrialisé, on est en train de faire des efforts. Mais ce qu'on peut produire, c'est ça. Mais la dame, et puis c'est après qu'il l'a compris, sans même excuser. Et ce jour-là, j'avais droit à un très bon bonus, bien sûr, à un très bon feuille, okay. À ce jour-là. Mais ça m'avait vraiment permis de permettre aux gens que Moussa, là, il y a salité Zalakati. Okay. Il n'y a pas de saut métier. Voilà. Hein? Il ne faut pas qu'on voit que tout le monde. Nous tous, on n'est pas plein à être dans un bureau. Wow. J'espère que vous suivez fidèles téléspectateurs. Ouais. Elles sont exceptionnelles, mes invités, par leur façon de parler, justement. Nous tous, on n'est pas appelés. Par leur manière de réfléchir. OK. Et ce jour-là, il devait comprendre que moi, c'est une passion pour moi. Les désavantages des réseaux sociaux dans l'entrepreneuriat. Madame, j'étais en larmes ce jour-là. Oh là là, elle a pleuré. Au moins, ce que Babo, bon, il s'est l'or au nom Moko. Elle a pleuré. Yo Moko, tel modèle, ça prend du temps. Ces mamans-là, comment ils prennent du temps? Bah, moudre, bah, ça, la boue. Ce que mon tabu, Sabine, non. D'ailleurs, ça, c'est quoi? Tu dis, madame, vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? J'ai déjà vécu ça. Et pour notre dame qui fait du raffia. Oui, les désavantages des réseaux sociaux dans votre business, des oui, il y a des désavantages. Moi, je vais prendre une petite histoire, hein, quelque chose qui m'est arrivé comme les autres dames l'ont fait. Un client, là, c'était un homme hein, qui s'est intéressé. Voilà, tu fais de bonnes choses, le raffia, c'est bien. Je veux promouvoir la culture congolaise. OK, moi, je veux offrir un cadeau à une amie. OK. L'amie ne savait pas que c'était du tout, c'était quoi exactement. Et moi, je lui ai dit, choisis. Et voit ce qui peut lui plaire, en fait. Il choisit et puis, OK, moi, je vais livrer, paye et le frais des livraisons et tout. Et moi, je vais vraiment me faire violence pour pouvoir livrer à la dame, celle à qui tu vas offrir ces cadeaux, en fait. C'est ça qu'on raffia. Et j'arrive là, j'étais déçue. Quand je suis arrivée, la dame, c'était pas un sac en raffia qu'elle attendait, en fait. Elle attendait autre chose que ça, vous voyez. Alors, quand j'ai sorti mon sac, et que je lui ai donné, voilà, c'est le cadeau que voilà, la personne a commandé pour vous et tout. Elle, c'était autre chose. Attendez quoi, un bac de finissage. Non, elle voulait, elle voulait, je ne sais pas moi, un autre type, je ne sais pas, elle s'attendait à autre chose que ça. Mais je pense qu'il y avait un problème de communication. Voilà, si mon client s'est intéressé à la chose, c'est parce que lui savait que c'est un sac en raffia. En dehors de ça, c'est que quand vous avez une marque, vous ne vendez pas que ce que vous faites, en fait, ou encore votre produit. C'est aussi une histoire que vous vendez derrière cela. Oui. Donc, c'est lui qui a payé, savait pourquoi il avait acheté, mais la personne qui a reçu. Alors, moi, je sais que je fais, je ne pouvais pas quand même dire à la personne de... Je ne pouvais pas rembourser de l'argent à la personne. Non, la personne a acheté, parce que j'ai des clients qui achètent. Si tu es intéressé par mon produit, on ne peut pas être intéressé par n'importe quel produit. Mais si tu es intéressé par ce que je fais, si tu veux porter du raffia, tu portes. Alors, je n'ai pas voulu rembourser l'argent. Je dis, madame, OK. Bon, je fais plusieurs types de modèles, hein. Alors pour ne pas aussi la vexer, ni aussi pour faire voir que je n'étais pas aussi déçue. En même temps, ça m'a permis de savoir comment me comporter avec mes clients, en fait, et aimer ce que vous faites. Donc je me dis, même si ça ne te plaît pas, moi, je sais pourquoi je le fais. Alors je lui ai dit, bon, on a plusieurs types de modèles. Si vous voulez bien, je peux en faire un autre. Elle a patienté. Après, je fais toujours un sac en raffia avec un nouveau modèle. Et j'ai constaté que le problème de la dame, c'était la grandeur. Elle n'avait pas voulu quelque chose. Un petit sac. Elle avait voulu une trousse en raffia. Je lui ai fait avec des boucles d'oreilles. Wow. Elle a aimé ça. Elle a même porté dans une fête. C'était tellement beau. Et des avantages des réseaux sociaux. Voilà. Ça m'a dans l'entrepreneuriat. Exactement. Donc, vous rencontrez des failles. Vous rencontrez des situations qui vous mettent mal à l'aise parfois. Ouais. Mais vous gérez quand même. Et vous continuez quand même à les utiliser. Malgré ça. En tout cas, fidèles téléspectateurs, elles sont justement exceptionnelles par leur façon de parler, par leur façon de réfléchir, par leurs arguments. Vous savez, l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Et ensemble avec nos invités, elles nous partagent leurs propres expériences professionnelles. Waouh, j'adore. Les réseaux sociaux sont-ils indispensables pour votre business, madame? Pour un business à moi, je dirais oui. Donc, tu ne peux pas faire ton business sans les réseaux sociaux. Je peux quand même, mais je dirais, en ce qui concerne la visibilité, donc pour moi, c'est vraiment important. Avec les publications Instagram. Tu peux continuer ton business sans réseaux sociaux, oui ou non? Oui, je peux. Tu peux? Oui, je peux.
Comment tu vas faire? Bah justement, je vais aller chez les connaissances, les amis. Je vais faire du porte-à-porte. Voilà, du porte-à-porte, des bouches à l'oreille. Tu vas faire du porte-à-porte pour maquiller? Non, mais ça sera difficile. Attends, dis-moi. Tu vas faire du porte-à-porte pour maquiller les gens? Bah, pour maquiller, par exemple, je peux... Considérons-nous à l'époque où on coupait Internet. Ouais. On a coupé Internet pendant un mois. Comment tu fais? Tu n'as pas des sous alors que pendant ce temps, tu ne fais pas des sous parce que... Comment je vais faire pour maquiller une fille? Par exemple, j'ai maquillé Ozana. Et Ozana a une amie Thérèse. Mm-hmm. Et elle s'est rencontrée. Ah, bah j'aime beaucoup ton maquillage. J'ai tout à maquiller. Non, c'est une Stèle qui m'a maquillée. Elle passe les contacts. Et pour la vente de tes accessoires, alors, comment tu feras? Tu feras des porte-à-porte. Tu ouvriras une boutique ou je ne sais pas comment. Une boutique devant la parcelle, c'est possible. Possible. Hein? Ouais. Donc, toi, ton business vivrait bien sur les réseaux sociaux? Pas bien, mais quand même. Mais c'est mieux avec les réseaux sociaux. Ah, c'est mieux avec les réseaux sociaux. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est d'affaires quoi exactement? En fait, avec Instagram, je peux publier, partager. Les gens qui habitent Gombe, Makampan, Matete, c'est pas moi, Tiangou peuvent voir. Mais sinon, s'il n'y avait pas, par exemple, Instagram, Facebook, c'est là toujours à côté de chez moi, mes amis, ma famille. Bon, en fait, business, ça limite, facile, en fait. On va voir si Ozana, oui. Maintenant, je vais ma vie. Ça limite. Ozana qui font la, qui fait la vente. Moi, hey, sans les réseaux, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce que déjà, on dit vente en ligne. Donc, donc tout se passe sur les réseaux sociaux. Tu peux ouvrir une boutique? Tu peux pas? Si je peux ouvrir une boutique, mais moi, je dirais que mes articles iront difficilement. Parce que déjà, avec la vente en ligne, j'ai la possibilité de faire la publicité à tout moment. J'ai pas besoin d'aller toquer. Malgré les aléas. Voilà. Malgré les faits. Voilà, je peux tout. Tu livres une commande à une cliente, elle se fâche, elle te traite de tous les mots. Même si elle se fâche, je sais qu'en postant peut-être l'article qu'elle m'a remis, quand je vais poster, quand je vais booster comme ma publication et tout, quand je vais faire ma publicité, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. Et ça va aller rapidement. En fait, ça évite aussi certaines pertes. Parce qu'il y a parfois, à un moment donné, quand vous allez vendre, tu vends, il y a comme des pertes qui entrent. Ça, ce sont des choses qui arrivent comme ça. Et on ne sait pas. On ne sait jamais quand ça arrive. Et du coup, quand il y a une perte, qu'est-ce que tu te dois de faire? Tu ne peux pas rester là, tu croises les bras. Tu dois en fait trouver une solution pour couvrir la perte. Donc, moi, en tout cas, sans les réseaux sociaux, c'est impossible que j'avance avec mon business. Tu arrêterais carrément. Voilà. Non, je ne pourrais pas arrêter, mais je vais quand même faire l'impossible pour que les réseaux sociaux réapparaissent. Comment tu vas faire l'impossible? Laurette Pira, dis-moi. Comment tu vas faire? En tout cas, non, je trouverai seulement une solution. Il y a des business, j'aimerais bien notifier cela, des business qui aujourd'hui se sont créés grâce aux réseaux sociaux. Justement. Voilà. Ni t'étais les réseaux sociaux business, entre autres les community managers. Donc, on comprend que s'il n'y avait pas des réseaux sociaux, on ne pouvait pas avoir tous ces gens-là. Oui. Mais aussi, il y a certains business pour qui ce sont des biens, des premières nécessités dont on ne peut pas s'en passer. Même s'il n'y a pas de réseaux sociaux, là, les gens vont manger chez Kwang. Ah. Les gens vont s'habiller. En fait, il y a des choses qui sont déjà... Bira, en tout cas, Bira vivrait bien sans réseaux sociaux. Oui, madame. Arrêtez à Kwang. Non, tiens, on a moutou, mais. Moi, c'est impossible. Non, tiens, on peut-être à moutou, on n'a porte pas porte. Le bolia Kwang a été. Quand on a dit qu'il y a un osombate, on a terminé en côté à Mouchiwan et tout ça. Le osombate, la grillade de osombate. Mais il y a certains business, vraiment, c'est indispensable. Mais pour moi, en tout cas, bien sûr que pour, en termes, comme je l'ai dit, un entrepreneur, c'est un visionnaire. Dans l'aspect vision, mais aussi par rapport à certains challenges que nous avons vus dans le parcours, ça nous a enseigné que les réseaux sociaux, aujourd'hui, jouent un rôle pondérant. C'est top. Jouent un rôle pondérant. Madame, j'ai été sélectionnée dans un concours grâce aux réseaux sociaux. Bah, il y a quoi en angaté? Mais bah, ben, habite. Mais en tout cas, on a en tout cas, t'en penses à mon angosikobo. Vous comprenez que aujourd'hui, c'est vraiment ça un rôle pondérant, mais cela n'exclut pas d'aller de bouche en bouche, mais aussi nos entreprises évoluent. J'ai un dépôt. Également le tyran. Ah, vous avez un dépôt. J'ai un dépôt. Donc, parfois, même si je ne publie pas, si je peux le dire comme ça, mais je vends sur mon dépôt. Il y a des gens qui sont là, les clients qui sont là où je vends. Ok, et madame qui fait des ouais, rafias. Ouais, moi, je vais prendre d'ailleurs un exemple qui est vraiment, qui nous a permis même d'être ici, c'est que si je n'étais pas en train de faire quelque chose et que je ne pouvais pas partager cela à travers les réseaux, on ne saurait pas que Thérèse fait le raffia ou Stella fait le maquillage ou Ozana vend des vêtements et que Madame
vend aussi la chikwang et tout ça. Donc, oui. C'est quand même très important. Et pour répondre à la question, je pense que ça dépend aussi de la position. Hein. Si vous n'avez pas déjà une boutique, par exemple, et que ce soir, c'est difficile pour vous d'accéder à Internet et que vous avez besoin de poster un nouveau modèle de sac ou encore vos produits et services, ça sera très difficile pour vous. Donc, en tout cas, ça dépend. Hein. Il faut voir dans tous les paramètres. Ok, on atterrit tout doucement, on termine notre émission. On va répondre par vrai ou faux, simplement. Pourquoi vous me regardez comme ça? La régie va nous balancer déjà une musique tout doucement, hein, tout doucement, une petite musique parce qu'on atterrit. On termine bientôt l'émission dans, je crois, 5 minutes déjà. Alors dites-moi, vrai ou faux, les réseaux sociaux sont indispensables à Kinshasa pour entreprendre. Vrai ou faux? On va débattre un peu s'il est faux, mais vrai ou faux, Madame Stel. Faux. Madame Ozana. Vrai. Madame Laurette. Faux. Madame. Faux. Il y a une seule vraie. Elle est seule aujourd'hui. Justifiez-vous si vous voulez. Elle est restée beaucoup plus dans son cadre. Donc, c'est vrai. Elle a dit vrai. Les réseaux sociaux sont indispensables pour les réseaux sociaux. Ouais. Et pour l'entrepreneuriat, excusez-moi. Ouais. Justifie-toi, dis-moi, parle. Vrai, parce que vraiment, moi je suis dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis dans la vente en ligne et du coup, sans les réseaux sociaux, je ne peux pas avancer. Je pourrais peut-être avancer, mais sauf que ça sera différent et ça serait comme me freiner en fait, freiner comme mes objectifs, freiner aussi mes bénéfices, parce que comme on dit là, comme on dit, c'est quoi déjà? Le temps c'est de l'argent, voilà, c'est ça. Le temps c'est de l'argent, donc. Si je suis là, je ne suis pas connectée. D'ailleurs, moi, je suis toujours en ligne. Je suis toujours en ligne. C'est normal, tu fais la vente en ligne. Oui, je suis toujours en ligne. Et quand je me déconnecte, parfois, il y a des clients, si je fais peut-être 2 heures du temps, je ne me connecte pas, il va carrément dire, ah d'accord, je vais aller voir ailleurs. Je fais comment? Perdre la clientèle. Voilà, je perds de la clientèle. C'est pourquoi je dis que vraiment, sans les réseaux sociaux... Un conseil pour les vendeuses de la vente en ligne, justement. Oh, je les aime beaucoup, je vous apprécie. Hein. Et ouais. C'est un travail. Merci. Non. C'est un travail très, très difficile. Ça nous facilite la tâche, on ne sait pas aller au marché. Non, moi personnellement, je me permets de donner mon propre exemple, j'ai pas tout le temps d'aller faire du shopping. Ouais. Je consulte des robes chez elle et tout ça, ils sont livrés, c'est bien, mais pour elle en fait, je me mets à leur place un instant, c'est pas facile. C'est encourager pas facile. Celles qui le font, moi j'en ai plein dans mon téléphone. J'ai même ma propre soeur que j'aime beaucoup, Eve Kitoko, qui entreprend justement dans les cercles avec du parfum. Elle vend que du parfum, ma soeur. Elle nous embête parfois avec des messages de diffusion. Donc justement, dites-moi un peu. Partagez. Est-ce que tu as l'habitude de faire des diffusions? C'est-à-dire tu envoies des messages à tes correspondants, Oui, j'ai l'habitude. Est-ce une bonne technique? C'est aussi une bonne technique en tout cas. Tu les fais souvent? Oui, je le fais souvent. Mais ça embête, non? Moi, je peux supprimer ton numéro parce que tu m'embêtes avec tes messages. Non, ça n'embête pas parce qu'il y a des clients, qui aiment qu'on les booste en fait. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent avoir, il a de l'argent, dans son sac, mais sauf qu'il n'a aucune motivation pour acheter le produit. Ah, que tu as. Vous...